Salut à tous et à toutes, ici Blebest pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls. Donc nous sommes à l'épisode 7 si je dis pas de bêtises, partie 2. Donc la dernière fois je vous avais quitté sur une mort atroce de mon personnage sur un démon titanite. Donc là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller récupérer vite fait une braise. Après on va aller affronter... donc vu que j'ai ouvert le raccourci c'est vraiment un boss optionnel. Donc c'est un boss optionnel que je vais faire, mais bon, moi j'essaye, mince, je vais aller du mauvais côté, c'est pas grave. Je veux vraiment vous montrer, enfin pas tout sur le jeu, mais vraiment une grande partie, vraiment tout ce que je sais, tout ce que j'ai en mémoire, comme ça vous en saurez le maximum sur, sur ce jeu. Hop, ah j'étais mort, c'est vrai que j'ai pas récupéré mes âmes. Vous savez quoi, j'en ai rien à faire. Et puis on ira affronter dans cette vidéo le foyer du chaos. Oh mince, j'ai attiré le démon taureau, ça va être un petit danger pour moi. 2 contre 1. Puis il me fait même pas peur le démon taureau. Mais je dis ça, il va me mettre un coup et puis je vais pleurer moi. Mais pourquoi tu recules, t'as peur? Ouais bah voilà, je vous avais dit quoi. Je vous avais dit quoi. Voilà, fini pour toi. Je vais juste vite fait s'il me... Non, il me drop pas son arme. Voilà, faites attention, vous en avez un et vous êtes dans un endroit... Ah non, mince. Attends, mince, c'est juste en bas en fait, je crois. Ouais, c'est en bas. Vous avez un démon taureau juste en bas là. J'espère que je vais pas mourir parce qu'en fait, là vous avez un démon taureau mais il est juste à côté. Enfin, putain, mais ça m'énerve ça, cette petite bestiole de merde. Ouais, je sais plus ce que je disais en fait. Et vous êtes dans un endroit assez restreint, donc je vais aller les tuer parce que ils vont sûrement me gêner contre le démon taureau en fait. Moi j'ai pas envie d'être gêné en fait. Voilà. Ouah, caméra qui bug un peu. Donc faites attention, vous êtes dans un endroit assez petit, donc vous pouvez tomber. Alors j'espère que je vais pas tomber. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais l'attirer, voilà, et je vais reculer. Pour pouvoir... mince, j'ai perdu le cible. Pour pouvoir l'affronter dans de meilleures conditions en fait. Ah tu te mets vénère, comme ça, la gratuité la plus totale, tu te mets vénère. Voilà, c'est fait. Alors faites attention, vous en avez juste un deuxième, donc on va passer par ici. Vous en avez un juste, juste là-bas. Et c'est la même chose, là vraiment c'est un endroit petit, là donc là vous pouvez tomber. Alors là c'est le plus dangereux parce que moi je vous conseille de l'attirer, voilà. Je l'ai attiré. Et il est possible que lui aussi il tombe, moi ça m'est jamais arrivé, enfin. Mais vous c'est possible que ça vous arrive. Mince, bah déjà si on rate ses coups. Vous voyez que même il me donne un coup mais je recule, je vole quoi. Allez crève, non. Ouf, j'ai eu de la chance. Ah, j'ai vraiment eu de la chance. Donc voilà. Hop, t'es mort, c'est cool. Alors faites attention là, on va avancer. Et il va y avoir des vers qui vont sortir des murs et partout. Voilà, nous avons le premier. Vous n'êtes pas obligé de les tuer, vous pouvez passer derrière eux. Mais alors là, à un moment, vous allez voir, il y en aura quand même pas mal, beaucoup. Alors moi je cours. Voilà, je vous avais dit qu'il y en a plusieurs. Ce que vous faites, c'est que vous courez. Et là en fait, le coffre, on va le récupérer. Donc il est pas piégé hein. Et vous récupérez la... Bah voilà, la grande braise de feu en fait. Ah vous voyez comment il se met vénère. C'est un truc de ouf. Alors si vous voulez frapper dans la partie jaune en fait là, espèce de vert. Vous voyez voilà, attendez. Je l'ai pas expliqué dans la dernière vidéo mais espèce de truc là gluant en fait. C'est ça en fait, voilà. Qui permet de... Qui détruit vos équipements. Alors, je vous conseille vraiment de l'esquiver. Il peut vous choper, alors là quand il vous chope ça fait vraiment énormément de dommages. Alors je vous raconte pas. C'est la flèche du slip au niveau des dommages. Hop c'est fait. Hop il drop des titanites vertes. Et hop. Alors faites attention s'il vous chope. Mais si vous les attaquez de face comme ça, et eh ben il peut vous choper. Donc c'est pour ça que je vais essayer, à chaque fois que je fais une attaque je recule. Voilà, ça c'est fait. Donc lui, on va l'esquiver, vous savez quoi. Je veux pas le tuer, je vais l'esquiver. Lui par contre,
Je sais pas, je l'esquive ou... Ouais, allez, on l'esquive. Oh, oh là là, il se met vénère. Il nous jette sa gelée verte toute visqueuse. Voilà, on saute, hop, voilà, on a tapé une petite esquive. Donc nous avons récupéré la grande braise de feu avant la braise de feu tout court. Mais c'est pas grave. Hop, nous sommes à 5 minutes de vidéo, mais tout va bien. Donc là, hop, on a, ouais, on a récupéré la braise. On va l'affronter. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, bah c'est bon, c'est pas grave parce qu'il y a un feu de camp. Parce qu'il faudrait me mettre humain parce que en fait, on peut se faire aider de. On peut se faire aider de solaire en fait. Solaire nous aura quand même pas mal aidé dans l'aventure. Donc là, vous vous souvenez, c'était la zone du. Du pyrosage. Et là donc vous descendez par ici, vous descendez les escaliers. Alors c'est pas grave si vous suivez, hein, y a un feu de camp juste en bas. Et moi je vous conseille de vous mettre humain. Donc bon, je vais prendre ma boîte dans son fond des une humanité parce que je suis mort et j'ai la j'ai bah tiens j'en avais quand même une. J'avais la flemme de en fait d'aller chercher mes âmes, surtout que j'en aurais pas spécialement l'utilité. Donc vous redevenez humain et vous allez pouvoir vous faire aider de solaire. Donc par ici c'est le cheminement officiel de la zone d'Isalith. Par contre si vous utilisez raccourci, bah, ça vous met directement, vous pouvez sauter ce boss et aller directement au foyer du chaos. Donc vous voyez, là il y a la marque de solaire, donc vous pouvez l'invoquer. Ce que je vous conseille de faire, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors que le boss a la particularité que en fait vous vous battez dans une zone où il y a beaucoup de lave. Mais heureusement que solaire est là pour nous aider. Ce que vous pouvez faire c'est lui couper la queue pour récupérer un anneau, bah, l'anneau calciné orange. Je sais que, alors je suis pas sûr mais bon c'est pas grave si j'y arrive pas. Si vous le tuez vous récupérez quand même l'anneau. Mais moi je vous conseille, moi ce que je vais à tout prix faire, essayer de lui couper la queue. Par contre elle est très très facile à couper la queue, mais c'est pas grave. Donc on y va, une petite vidéo, donc c'est le mille pattes, le boss. Vous allez voir qu'il y a une petite zone mais c'est entouré de lave. Donc moi je vous conseille de rester sur la terre ferme, sinon vous allez vous prendre énormément de dommages. Bah voilà, donc petite cinématique bien sympathique. Alors moi je vous voilà, comme je vous ai dit, restez vraiment dans la zone où vous êtes sur terre pour pas vous manger la lave et des dommages. Alors, en fait attention, il a des attaques longues. Voilà comme ceci. Mettez vraiment votre bouclier en avant pour pouvoir le tuer. Hop. Ah bah apparemment je lui ai coupé la queue, je crois. Ouais voilà, bah j'ai récupéré la je vais couper une patte, je sais même pas si c'est la queue que j'ai coupé ou tout ça. Enfin c'est pas grave. Bon au moins j'ai récupéré l'anneau, c'est ce que je voulais. Donc vous me direz dans les commentaires de la vidéo si vous un jour vous faites le jeu et que vous avez galéré à récupérer l'anneau. Mais moi c'est vrai que dans ma première partie j'avais vraiment galéré. Apparemment il y a un gros bug, il saute et il transperce le plafond. Donc il suffit de le brûler, c'est pas un boss très dangereux, même s'il peut quand même, quand il fait ses attaques sauter, essayer de reculer. Oh là là, oh je suis dans le feu, voilà, oh là ma vie va pas partir, oh là là, heureusement que j'ai réussi à me débattre assez vite. Le solaire me sert à complètement à rien là. Je dis rien, mais en fait, si, il m'aide en fait, j'ai rien dit. Solaire est... Franchement, moi je trouve que Solaire est le meilleur PNJ après, après Tarkas pour le golem quoi. Hop, allez, il va bientôt mourir. Voilà, merci Solaire a mis le dernier coup. Donc voilà, nous avons récupéré l'anneau de Cassiné orange. Nous avons battu le boss, donc Solaire va disparaître. Moi ce que je vous conseille c'est de l'équiper maintenant en fait. Hop, on va l'équiper.
Voilà, réduit les deux. Maintenant vous pouvez marcher dans la lave. Regardez, je vais marcher dans la lave. Et regardez ma vie comment elle descend. Elle descend mais pas beaucoup quoi. Donc vous voyez, je peux marcher dans la lave. Bien sûr, si vous restez trop longtemps, vous mourrez. Donc la suite du niveau, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à récupérer de ce côté là. Je suis pas sûr, je vais aller voir. Ah ouais, il y a un objet à récupérer. C'est ce qu'on va aller faire ça. Donc ouais, c'est vrai que sans mon année boisée sombre, je suis un peu lourd. Hop. Bon, deux grandes titanites vertes, c'est toujours ça de prix. Hein. Même si vous pouvez les acheter au forgeron géant. Donc là, hop, il y a une petite caverne ici. C'est la suite du niveau, en fait. Donc je suis pas vraiment sûr de... Vous pouvez aussi emprunter, bien évidemment, le raccourci. Moi, je vous ai montré, mais moi, je vais passer par ce passage-là. Comme ça, ça vous montre le jeu. Alors là, ça va être une zone très spéciale. Parce que vraiment, vraiment une zone détestée par certains, mais c'est pas grave. Donc hop, notre ami solaire se retrouve ici, vous lui parlez, et il va lui dire qu'il cherche à tout prix le soleil, etc. Mais heureusement pour nous, nous l'avons récupéré. Par contre, si vous passez par cet endroit du jeu et que vous n'avez pas récupéré le ver solaire et que vous revenez au raccourci par le sens inverse, par le côté du démon titanite, et ben en fait solaire va vous attaquer, en fait il va se trouver ici, il va vous attaquer, et si vous le tuez bah vous pourrez plus vous faire aider. Donc là hop, vous continuez ici, vous marchez dans la lave avec votre anneau, vous marchez sur ces troncs d'armes. Donc là c'est une zone assez particulière, pas beaucoup de personnes vous l'ont montré en vidéo, moi j'ai l'honneur de vous présenter ça. Et en fait il y a beaucoup de dragons zombies en fait, et le but pour nous ça va être d'en attirer le moins possible bien évidemment. Donc vous vraiment suivez mon parcours, sinon vous allez agresser beaucoup de dragons zombies, ils peuvent vous faire énormément de dommages. Donc hop, vous marchez par ici, vous suivez le chemin. Là, vous vous laissez tomber ici, vous marchez dans la lave, vous récupérez l'âme, vous continuez à tout droit. Voilà, moi j'essaye d'aller vite pour pas essayer de me faire tuer. Hop, vous continuez par ici. Alors, suivez vraiment mon chemin, hein. Comme je vous ai dit, c'est pour vraiment, ça va vous aider en fait à mieux parcourir cette zone. Donc là, vous passez vraiment tout droit, vous marchez tout droit. Vous récupérez une âme. Hop, vous continuez toujours tout droit, toujours tout droit. Hop, là vous allez à droite, vous avez un coffre. Vous inquiétez pas, il est pas piégé. Normalement, il y a un mec de feu qui vous poursuit. Eh ben non. Donc là, vous récupérez la grande âme de héros. Oh yeah. Donc la grande âme de héros, c'est l'âme. Oh bah tiens, vous voyez, je croyais qu'il était pas là, mais en fait, il est là. Cette âme vous donne 20 000 âmes. C'est l'âme. Qui vous donne le plus d'âmes en fait. Donc le porte-monnaie d'âmes qui vous donne le plus d'âmes. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je vais vous montrer un feu de camp caché aussi. Oh, je sais pas comment je vais faire pour passer aussi. Ça va être la galère. Ça va être la galère. Donc normalement il faut aller tout droit au rocher. Donc là vous êtes obligé d'en attirer un voire deux. Moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous montrer le feu de camp. Allez, donc vous courez, vous courez, vous courez. Donc là vous êtes obligé d'en attirer au moins un, voire deux même, voire trois. Hop, voilà, j'en ai tiré quand même pas mal. Je vais vous vite fait vous montrer. Donc là, je vais courir. Hein. J'ai pas le temps de vous décrire vraiment la scène tellement que j'ai plein d'ennemis violents derrière moi. Et là, en fait, vous avez un mur invisible. En fait, vous passez au travers et hop, vous avez un feu de camp caché. Hop, moi, je vais m'y reposer. Voilà. Nickel. Et pour trouver vraiment votre chemin, donc là normalement les dragons zombies sont revenus dans leur orbe où ils étaient. Donc là vous avancez ici, vous avez un espèce de petit tunnel vite fait. Et hop là vous montez sur la racine. Et comme ça c'est la suite du niveau. Donc il n'y a pas d'objet particulier à récupérer à part la grande âme de héros. Une fois que vous avez... vous avez plus besoin de cet anneau. Donc moi je vais repasser sur mon boisé sombre pour être plus rapide. Et donc là on arrive vraiment à côté du boss Izalith, donc le foyer du chaos. Donc il y a plusieurs objets à récupérer, dont une... Bah je crois que je vais vous montrer en vidéo. Oh, ça fera une vidéo longue, mais c'est pas grave, bon c'est pas grave. Et ça fera... Il y aura plusieurs objets à récupérer, dont un catalyseur. On va se faire envahir par Kurt.
Kirk, pardon. Comment dire? Et on va récupérer une tablette de titanite rouge. Voilà. Enfin, j'ai réussi à trouver mes mots. Donc, je rappelle pour ceux qui savent pas, tablette de titanite rouge permet de monter ses armes plus 10 en chaos, en feu, d'accord. Je sais pas si vous me suivez. Et plus 5 en chaos. Donc, essayez de les tuer eux parce qu'ils sont vachement chiants. Quoi. Ils vous suivent partout et c'est vraiment, mais c'est vraiment chiant, quoi. Hop là, de ce côté là ça nous mène à où? Moi je vais fouiller la zone avec vous. Bon, c'est vrai que je la connais pas par cœur par cœur. Ah non, donc là c'est d'où je viens en fait, je crois. Ouais exact, c'est là c'est d'où je venais en fait. Alors moi l'orientation là c'est zéro. Vous allez dire remboursé Bleubès, remboursé. non je plaisante. Alors on va rencontrer aussi un nouveau type d'ennemi. Toi je t'avais vu, ben c'était fail. Alors vous avez remarqué quand même que ces ennemis là, plus vous rapprochez du boss et plus ils sont forts en fait. Putain mais je croyais t'avoir... Ah non c'est un autre. Donc une attaque des stocks plus une attaque normale, normalement ça les tue. Avec mon arme de foudre, en tout cas Claymore plus 5 foudre. On va juste tester, j'ai envie de tester la pyromancie contre eux pour voir si c'est efficace. Ah ouais ça va quand même, ça leur fait quand même pas mal de dommages. Enfin pas mal, c'est que 177 mais c'est toujours ça, hein. C'est toujours ça, on va pas s'en plaindre. Voilà c'est fait. Bon je crois que je les ai tous tués, non bah non bien sûr il y en a encore après. Et on va rencontrer un espèce de ver trop chelou. Une espèce de ver de terre, vous voyez espèce de truc en haut là, c'est espèce de... je sais pas comment on appelle ça. Comment on pourrait décrire cette chose trop toute visqueuse. Donc c'est un ennemi qui est pas très fort. Mais qui peut voilà vous jeter une espèce de poison. Qui est vachement sensible à la foudre. Et puis bon c'est un ennemi qui réapparaît. Et il vous drop des titanites rouges. Donc là on va... je sais pas si vous voyez mais en face de moi en haut là. Vous avez... comment elle s'appelle déjà, Quillana, voilà. Qui vous attend et vous devez la tuer parce qu'elle est devenue apparemment une carcasse et elle veut votre mort. Elle veut votre mort. Oula, je vais y arriver. Donc moi c'est ce que je vais faire à tuer. Et attention, plus vous avancez et vous pourrez vous... vous allez vous faire envahir par Kirk une deuxième fois en fait, dans ce niveau. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il est où? Il est là. Et voilà, notre ami Kirk pour la deuxième fois. KO! Victoire par KO par Bleubès. Et j'ai reçu de l'humanité. Donc on va continuer le niveau. 17 minutes de vidéo, tout va bien. Toi. Non, tu m'auras... Ah bah voilà, mon arme est brisée. C'est quoi comme arme qui est brisée? Non, j'espère que c'est pas ma Claymore. Parce que alors là je serais... Non, ma Claymore elle a 110. Donc elle a quand même subi. Là normalement vous récupérez une pyromancie. Si je dis pas de bêtises. Ah la pyromancie fouet du chaos. Donc la forme chaos, je rappelle, c'est la forme la plus puissante des pyromancies. Ah ouais voilà, donc Quillana nous donne un catalyseur, le catalyseur de Izalith. Pour les personnes magiciens bien sûr. On se soigne, on sait jamais. Et quand vous montez en bas en fait c'est le boss en fait. Voilà, ça c'est fait. Ah, je sais plus si j'ai... Ah si, j'ai encore un point d'humanité. Peut-être que c'est la gamme de âme de héros. On va la ranger. Ouais. Ah bah lui s'est rapproché. Heureusement que je suis allé vite dans mon inventaire. Putain, il y en a vraiment beaucoup là. Ils sont vraiment chiants. Pas possible, quoi. Voilà, donc là je vais vous montrer. En fait si vous montez par ici en fait on se retrouve devant le titanite démon.
Hop, vous voyez là, il y a le Titanic démon avec mes âmes. Bon, je vais aller les récupérer. Je suis un fou. On va utiliser le point d'humanité pour se soigner. Et en fait, je vais même pas aller affronter le démon Titanic, je vais juste courir quoi. Parce que normalement, vous voyez, tout à l'heure on apparaissait dans son dos. Maintenant, là, on apparaît en face de lui. Hop, mais récupère le pouvoir et tire-toi. Voilà. Donc, j'ai récupéré toutes mes humanités ainsi que mes âmes. Donc c'est bien. Donc là, hop, j'espère qu'il va pas nous suivre. Bah, il nous tire à distance. Fais voir si son truc m'atteint. Ah ouais, il est vachement vachement lent. Donc là, vous avancez par ici. Alors faites attention. Vous avez un piège. Dès que vous allez avancer vers la gauche, vous allez tomber dans le parterre, il va s'écrouler. Donc regardez, hop. Je vous ai dit de vous mettre sur la gauche parce qu'il y avait une racine en fait. J'avais oublié de vous préciser. Et vous avez espèce de truc trop bizarre en bas. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous laisser tomber, voilà, juste ici, et de les bourriner avec votre. Alors si vous tombez, vous pouvez vous faire bouffer par ce truc. Alors ça serait dangereux pour vous. Et je vous conseille de les attaquer à la pyromancie. Hein. Comme ça, vous pourrez, comme ça, et ben vous craindrez rien. Voilà, j'ai du mal à parler. Je sais pas ce que j'ai. Oula. Alors, je vous déconseille vivement de tomber dans leur truc. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais le faire, c'est pas grave. Comme ça, moi, je vais tester. J'ai fait une attaque plongeante. Oh là là, je suis en difficulté, il y en a beaucoup. Ouais, je suis en difficulté là. Je me suis soigné d'urgence. Voilà. Pfff. Ah non, même pas, il est pas mort. Ouf, ouais, j'ai eu de la chance. Donc là, en fait, on arrive dans une espèce de marais de. En fait, attention, il y en a encore un sur là-bas, en fait. Hop, vous récupérez les objets et vous arrivez dans une zone, en fait, où normalement il y a du poison. Je sais pas, c'est bizarre parce que normalement, moi, je subis du poison. Ah, c'est-à-dire que ah bah oui, parce que je suis déjà empoisonné. Quel abruti. Et ça, apparemment ils sont plus résistants que ceux que j'ai tués en haut. Donc hop, vous allez par ici en fait. Ne tombez pas hein, parce que là c'est la mort qui vous attend. Voilà, vous allez par ici. Hop, j'essaye de faire des roulades pour que je me déplace très lentement. Au pire, ce qu'on va faire, on va mettre l'anneau de fer rouillé. Et puis là, hop, on se déplacera peut-être un peu moins vite, mais c'est pas grave. Donc ici, vous récupérez la tablette de titanite rouge. Voilà, ça c'est fait. Je suis à combien, 22 minutes de vidéo. Oh là là, qu'est-ce que le temps il défile. Il défile à un temps mais monumental quoi. Et pour remonter c'est simple hein. Suivez vraiment mon passage. Parce que alors c'est vrai que c'est très très labyrinthique ce chemin. Bon voilà, c'est bon. Là je vais retirer l'anneau de fer rouillé. Et on va repasser sur le boisé sombre. Hop, vous montez les escaliers. Vous allez tout droit. Voilà, vous tournez à droite, vous continuez tout droit, vous contournez cette racine là, vous allez par ici, parce que sinon c'est vraiment la galère pour remonter, hein. Je vous dis c'est vraiment très labyrinthique et on peut se perdre très facilement. J'ai une petite anecdote où je faisais de la coop avec un certain Storm et lui il s'était perdu puis j'ai dû aller le chercher. Donc vous montez la racine, bon, y a un objet là-bas, je vais pas le récupérer, je vous laisserai parce que j'ai un peu la flemme là. Moi je vous ai montré, si vous voulez vous faire une arme de feu, vous pourrez maintenant. Le truc c'est que j'ai plus de soins, ça c'est cool. J'ai vraiment plus de soins, c'est la dèche totale. Je sais pas si je tente le boss avec un soin, parce que la particularité avec ce boss c'est pas vraiment un boss. Bon bah, je vais tenter, vous savez quoi. Je vais tenter. Ouais, bah, mon arme elle a plus que 26 en. Bon, c'est pas grave, je tente. De toute manière, il suffit que vous mettez un coup au boss et il crève en fait. On va vous montrer en fait. C'est un des boss qui me fait le plus chier dans le jeu. Pourquoi? Parce que en fait, ce boss vous fait tomber dans le vide. Et oui, mes amis. Voilà, je me suis soigné. Comme ça, on n'est pas full vie. Mais c'est pas grave, si on crève, il n'y a pas de problème. Alors, c'est le foyer du chaos. En fait, vous arrivez dans une zone où.
à gauche et à droite, vous avez des espèces de boucliers où il va falloir détruire des trucs. Je sais pas comment vous décrire ça, c'est vraiment difficile. Vous savez quoi, je vais vous montrer en vidéo, hein, parce que je veux pas vous le décrire avant. Il n'y a pas vraiment de technique, moi, ce que je peux vous conseiller. Donc là, vous vous laissez tomber. J'ai la classe, regardez, ya 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 ya, je suis là. Et donc dès que vous réatterrissez en bas, et ben vous avez le foyer du chaos. Donc vous voyez, c'est ça le boss. Hop! Ce que je vous conseille, c'est tout de suite aller à gauche. Vous voyez qu'à gauche et à droite, vous avez des boucliers. Donc il suffit d'aller les détruire. Je vous conseille d'avancer bouclier en avant. Une fois que vous allez détruire la première racine, c'est là que le truc va vraiment me saouler. Je sens que je vais mourir 50 fois encore en vidéo et je vais vraiment m'énerver. Donc là, il va commencer à se mettre vénère. Donc c'est pas vraiment un boss où on doit l'affronter, lui faire des dommages, etc. C'est plutôt les gens ils disent que c'est un boss puzzle en fait. Et puis voilà, y a pas vraiment de quoi décrire ce boss. Comment le décrire? Donc là, il va se mettre vénère, vous voyez. Voilà, il va se mettre vénère. Moi, c'est peu importe votre balance, peu importe votre bouclier, etc. Il vous fera tomber. Hein. Alors, vous voyez, voilà, je vais tomber. Déjà, premier coup, je me prends un coup. Bah, de toute manière, j'ai plus de soin, je vais mourir. C'est fini. C'est la fin. C'est vrai que c'était une mauvaise idée de moi d'y aller. Donc, avancez vraiment, bouclier levé. Voilà, ce boss, c'est n'importe quoi, ce boss. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, j'y arrive vraiment pas. Hop. Je sais même pas si je vais y arriver. Non, bah si, apparemment. Oh, je vais courir, je vais essayer de courir, le passer en secrète. Ouf, oh là là, j'ai esquivé son coup. Vite, vite, va détruire le tronc. Te fais pas tuer. Yes, yes, j'ai réussi. Ouf, j'ai réussi. J'ai réussi. Oh, ça. Voilà. Donc là, le retour, bah, je vais sûrement me faire tuer, mais c'est pas grave. Donc, hop, une fois que j'ai cassé les deux troncs, moi je vous dis que j'ai vraiment galéré. Donc si je meurs, c'est pas grave. Il suffit que vous y allez au centre. Bah voilà, je suis mort. Je vais faire une coupure. Ouais, je vais faire une coupure et je vous retrouve devant la zone du boss. Allez, à tout de suite.